Il y a un nouvel invité, j'ai juré va participer. Wesh les BG, comme vous avez pu le voir, l'équipe Camino s'est agrandie dans ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, comme dirait mon confrère Cosmo, on va voir qui connaît qui, mon gars. On est 6, les membres fondateurs. Bah ouais. Les membres fondateurs de Camino TV. Et il y a 6 paires de chaussures. Et en gros, c'est à vous de trouver quelle paire appartient à quelle personne. Il va y avoir 2 passages. Le premier passage, vous allez voir les paires sur un écran. Vous allez chacun avoir une petite carte. Vous allez écrire cette paire appartient à un tel. Yeah, et vous aussi les BG dans les commentaires, écrivez. Et on va voir qui connaît qui. On est ensemble, likez, partagez. Bye bye. Vous allez passer un par un, vous avez chacun une minute pour faire votre classement avec qui, quel père appartient à qui. Qui connaît qui? Non, 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 moi je convoque des gens. Vous avez déjà, ne regardez pas Sean, ne regardez pas Sean. Eh Zali, viens là. Allez, allez, allez. Minuterie, une minute. Zali, on l'a dit une minute, mais... Et il reste 16 secondes. Ouais. C'est trop court, c'est trop court. Bravo Zali, bravo Zali. 10, 9. Elle peut compléter, mais tu vois plus les paires. Tu vas faire ta salade. On va appeler le deuxième participant. La participante qui essaye de tricher, ça fait 3 heures déjà. Salomé, mesdames et messieurs. Allez. T'es prête, Sal? Ouais. Oh, le premier. Aïe, aïe, aïe. On est parti, non. on est parti. T'es prête, Sal? Go. Ah, mais c'est trop dur. Oh. Déjà, la salle. Parce que là, t'es en train de juger. Ça fait partie du jeu, non? 20 secondes. 20 secondes. Ça, t'as rien écrit, frérot. Non, elle peut regarder, de toute façon. 4, 3, 2, 1. C'est fini. Tu sors. Tu sors. Il aurait dû travailler dans l'armée de l'air, mais aujourd'hui, il travaille chez Camino. Wavy, mesdames et messieurs. Go. C'est parti. Let's go. Oh, what the fuck. 5, 4, 3, 2, 1. Ça dégage. Allez hop. Allez, vas-y, c'est bon. Tout est noté. Moi j'ai envie que Sakou il participe. Vas-y, 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 mais faut que quelqu'un chaud. Je vais te mettre à ta place. C'est parti, c'est parti. Attends, je vais le faire. Si je vais le faire. Une minute. Go Sakou. Ah, genre t'as trouvé directement la paire de quelqu'un? Ah, c'est la première fois que je vois Sakou étant concentré. Sakou il fait une guette. Pourquoi? 4, 3, 2, 1. J'espère que j'étais en retard. J'espère vraiment que j'étais en retard. Oh bah, il est contre lui. Ah, moi j'ai full confiance en lui. S'il te plaît, me déçois. Hop, Mousse, viens là-bas. Mousse, Mousse, Mousse. Tu gardes pas l'ordinateur. Je vais te faire plaisir, je vais te rendre fier. T'inquiète. Une minute. Vas-y, ce mou. Non, non, lui, non, son truc là, il est trop bien fait. Gros. Ouais, ouais, gros, j'avoue. Il va faire des traits comme attends, à l'école. Mets tes lunettes. Non, 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 les gars, non, les gars. Eh, les gars, on me déconcentre. Eh, il y a l'ordi qui s'éteint là, on recommence. Non, c'est bon, non, non. 45. Bono, lui, a du temps, l'ordi s'est éteint tout à l'heure. Ouais, je peux. C'est fini là. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Grand. Attends, laissez-moi mettre le dernier nom. De toute façon, c'est quoi le dernier nom? On sait. On ne fait pas ça. Dernier chasseur. Moi, j'ai choisi Fifi. 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 Tu regardes pas l'écran. C'est parti. Et là, il y a plein de fiches où il y a zéro bonne réponse, frère. Dépêche-toi. Ce qui est 5. 4. 3. 5 là, il manque quelqu'un. 2. 1. Bonne année. C'est Bibi. Bravo, Fifi. Sortez, s'il vous plaît. Ah oui. Coco mon BG. Coco. Il est stressé depuis tout à l'heure. Regarde pas. Soli, pas. Le danseur de Kizomba, tu as une minute. C'est parti. T'as dit Kizomba, si, ça tue. Ah, Coco, ah. Il a l'air sûr de lui. J'avoue, là, il est concentré. Bah, heureusement, c'est pas à l'école, frérot. Il y a trop de temps, ça sort d'ici, là. Je veux pas te voir, là, sort d'ici. Nous avons clair, on va passer. Regarde pas. Ouais, 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 il y a un nouvel invité, j'ai juré va participer. Il a triché, il a triché. Clem, éliminé, éliminé, Clem. Je l'ai éliminé. Est-ce qu'on peut lui
passer on va lui passer une carte, mais j'ai un truc à dire. Je pense là, on va mettre moins un direct d'office à Clem. Pendant qu'on accueille le bilan. Non, 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 non. De toute façon, il va jamais trouver. Non, mais. Toi, voilà, dis-lui. T'inquiète pas que. Vas-y, Clem. Go. Eh, vite, c'est l'arrivée, on l'a mêlé, frère. C'est baisé, gros, c'est des malades. 5, 4, 3, 2, 1. Eh là, qui est-ce qui passe en premier, Vincent ou Chasseur? Vas-y, Vincent. Eh, en gros, regarde ce qui se passe. Là, il y a 6 paires de chaussures. Arrête. Il y a 6 paires de chaussures, elles appartiennent à Simon Camino. Il faut trouver quelle paire appartient à qui. Elle est sur. Pour rappel, on va prendre que les deux meilleurs, et les deux meilleurs, ils auront le droit de voir la paire en vrai et de faire leur choix. Une minute, c'est parti. C'est parti. 20-20. Allez, bâtard. Chasseur, on va voir qui connaît qui. Chasseur, il est là depuis plus longtemps que tout le monde, frère. Normalement. Chasseur, tu peux me rejoindre, s'il te plaît. T'as pas lancé. Une minute. Let's go. C'est bon, je viens de faire. Chasseur qui connaît tous les membres du bureau depuis des années déjà. Que Smo, t'as une des paires qui est explosée contre le sol, c'est sûr et certain. Ah, c'est comme ça. La balle. Triple stagiaire de platine, rappelons-le. Il connaît tous les membres du bureau par cœur. Vas-y, on va essayer avec ça, l'air. Il a jeté. Ah, il m'a pas respecté, frère. Pourquoi tu dis j'ai une paire claquée? Parce qu'il y a 3 paires explosées contre un mur, selon moi, là. Et moi, j'étais sûr. J'étais sûr que j'aurais pas explosé. Attendez. On va dire les autres, là. On va appeler dans l'ordre, comme à l'école. Vas-y. Conseil de classe. On appelle Chasseur. Mais je me suis rappelé. Voilà, chasseur. Arrête de parler. Tu as 0. 0. Rien, gros. Déjà, moi, je sais que j'ai pas 0 déjà. Moi, j'ai déjà pas 0, moi. Merci. T'as vu comment ils sont? Ouais. Bizarre, hein. Ambiance bizarre, là, tout à coup, hein. T'as 20 points, quoi. Voilà. T'as 1 sur 6, tu danses là? Non. J'ai pas 0. Ouais, chasseur, je suis pas fier de toi, frérot. Chasseur. Va t'asseoir, là. On appelle le suivant, Mousse. Il est très, il a très envie. Là, c'est le tien. Attends. C'est le tien. C'était quoi ta dernière parole? Je vais te faire plaisir. Et après, t'as dit. Je crois que t'as dit, je vais te rendre fier. Ouais, t'as surtout dit ça. Il a surtout dit ça, mais. Comment tu peux rendre fier quelqu'un? Avec un 0. 0, frère. Tu sors. Mousse, tu sors. On va appeler un youtubeur de qualité. Vincent, s'il te plaît. Qui a fini avec 17 secondes d'avance. Très arrogant. Vincent a sauté des classes, il me semble. Parce qu'il a fait un stage chez Camino il y a des années. C'est vrai, c'est vrai. Il nous connaît depuis. Ah ouais, 0, frère. 0. Wavy. Wavy. On m'appelle un peu tôt, là. Un peu tôt. Maker de qualité, Wavy. Bien au point, mon boum. Comment tu le sens, là? Fébrile, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. 0, frérot. Salami, lève toi, Salami. Salami, ici. Salami, élève la plus sérieuse du groupe. Ouais. Beaucoup de potentiel, beaucoup d'alchimie avec l'esprit Camino. J'ai seum parce que c'est ma gossure, mais frère. C'est quoi? Zéro! 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 Attendez, je passe un message. Si je vais en finale avec un point, c'est que je suis Gucci. Ouais. Je peux pas te dire, on va dire pour les tasses noires. Là, Sakou, on est en face d'un cas exceptionnel parce qu'il ne devait pas participer. Il faisait le miskin derrière la caméra, on l'a fait participer. Il a des réponses, il a mis 2 personnes. Ah oui, parce que moi, je pensais que je pouvais repartir. Et ensuite choisir. Donc là, je vais choisir là maintenant. Bon, ça coûte d'or. C'est vrai que son comportement n'était pas exemplaire sur ce jeu-là. Mais il a quand même un point. Mais comme tu as triché, tu es disqualifié. Coco, mon BG. Coco. Tu es là depuis 2 semaines. Ça fait 4 semaines. 4 semaines. Là, c'est parce qu'on dirait que c'est le premier jour. Tu vois ce que je veux dire. Coco, tu as une bonne réponse. Donc tu es en ballotage pour la finale. Bravo, Coco. Voilà. Zali, s'il te plaît, tu peux venir. Zal. Tu as mis une minute pour marquer un nom. Zali, tu as une bonne réponse. Et t'es donc en ballotage pour la finale. Bravo, Zal. Sofiane, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Tu as 2 bonnes réponses. Tu es donc en finale. Tu es le gars qui a le plus de bonnes réponses.
faut trouver une technique pour les trois, pour départager les trois. Et il y a une technique super juste qui est le... À la Deli Delo, on appelle Zali, Chasseur et Coco, mesdames et messieurs. À la Deli Delo. Oh, on est où là? Je vous l'ai dit. Je le mérite. Purée de pommes de terre. Tant de vaisselle, de café en 2 ans, les refs. Je le mérite. Je le veux. Ça fait plus d'un an que tu fais plus de vaisselle. C'est vrai, oui, c'est vrai. Dieu merci, oui. Du coup, la finale opposera Sofiane et Chasseur. Les autres, retournez tous à vos postes. Les gars. Bon, là, ce qui va se passer, on va encore faire un petit pierre feuille ciseaux pour savoir qui passe en premier. Non. Fifi, il a eu deux. Fifi, il passe en premier. Ok, c'est bon, Fifi. Ah, oui. Le but, c'est de placer la personne. En vrai, c'est mieux de passer deuxième. Derrière sa paire. Non, mais c'est trop tard. Mais non. Attends, si je peux choisir, moi, je veux passer deuxième. Il est trop tard. C'était avant qu'il fallait réfléchir, mon ref. On n'a pas le droit de toucher les paires. Ah ouais? Ouais, pas le droit de toucher les paires. Sortir les paires, c'est comme bouler après. Là, ils vont même pas venir devant, ils vont rester là où ils sont. Ils vont juste dire que ce mot, tu te places à telle lettre. C'est nous. Attends, va s'il te plaît. Elle a 2 minutes. Dors pas toi quand même. Ok. L6 100%. Francis 70%. Mike 80%. Shen en bout. Non, là je suis plus sûr. Là je suis vraiment plus sûr en fait. Le problème c'est que là il me reste ces deux paires là. Et sur les deux, je peux pas placer Pi. Genre, il y a que deux trucs dont je suis quasiment sûr. C'est LC, Mike. Vas-y, je vais mettre Kuss. Et puis ouais. Là, regarde. Attends, juste 10 secondes de réflexion. Genre, je vous vois avec la paire à côté. C'est bon. Je bougerai pas. Nous appelons Yanis à la barre. Yanis à la barre. Ça commence. Vas-y. J'aimerais que Mike vienne devant la New Balance en numéro 1, s'il vous plaît. Monroe, pourrais-tu venir sur la numéro 3, s'il te plaît? Piway, la numéro 4, s'il te plaît, mon ami. Maintenant, c'est là que je commence les questions. Je peux pas me déplacer, je peux pas voir les paires, on est d'accord, hein? Kuss, mon ref, si tu peux venir sur la numéro 2, s'il te plaît. Maintenant, c'est ça le débat pour moi. Qui a rocké la paire de Doc comme ça, là? Vas-y, hein, c'est pas grave. Vas-y, Sean, viens sur la 5 et LC, mon ref, sur la 6. En fait, moi j'avais 2 points de repère. Celle-là, franchement, c'était, comme j'ai dit, LC presque 100%, 99%. Je suis quasiment sûr c'est Watt. Et il y avait Mike avec la Jordan 5. Franchement, je. En fait, c'est soit Mike, soit Pi. Et j'ai choisi, que ça allait être Mike. Pi et Kuss, c'est ceux pour lesquels je suis le moins sûr. Et franchement, j'ai cédé la facilité. J'ai vu une paire toute noire. J'ai dit Kuss direct, wesh. Ouais. Mike, New Balance. Mike, j'ai pas eu le souvenir quand je suis passé, mais Mike porte cette paire. Donc c'est sa paire. Ça, je le sais. Donc je prends mon point. Je sais, je l'ai déjà vu au bureau avec, etc. Monroe, on a reçu ses paires de Contend et on les a portées au bureau. Donc je me rappelle très bien. Et moi-même, je la porte, la mienne, en full black. Donc je sais que c'est sa paire. Maintenant, la réflexion, c'était quoi? C'est LC peut pas porter la Jordan. Pour moi, il a jamais eu de Jordan. Je suis déjà parti chez LC. Il a pas de boîte de Jordan. Donc ça, je sais que c'est pas sa paire. Sean, je sais qu'il a une époque swagger un peu tout ça. Ça veut dire, je me suis dit, les mecs qui mettaient des longs manteaux avec les chapeaux. Je suis sûr que c'était Sean. Carrément, je suis. Ma réflexion est fondée un petit peu, tu vois. Maintenant, j'ai regardé aussi par rapport aux pieds. C'était cool qu'on ait les chaussures en vrai. Et j'ai l'impression que la Vans que personne n'a eu, parce que j'ai. Dans ma tête, j'ai essayé tout le monde. Je me suis dit, personne n'a pu porter ça. Mais en vrai, le pied est grand. Du coup, je me suis dit, ça doit être Piway. C'est la seule réflexion que j'ai pu avoir. Kuss, je sais qu'il a peut-être eu une période où il avait des Jordan. Et franchement, la paire a l'air vraiment vieille. Elle a l'air très très jaunie. Alors, je me suis dit, soit c'est. Oh, non. Je voulais pas le dire comme ça, mon ref. Voilà, je voulais pas le dire comme ça. Mais on ne voit pas porter les Jordan. Je me suis dit, ça doit être une vieille paire qu'il a gardée depuis et elle est cool, tu vois. Soit ça, soit c'était Ashen. J'ai fait un choix. En vrai, la dernière paire, j'ai fait par défaut. Je me suis dit, est-ce que c'est une paire LC? En vrai, j'ai fait par élimination. Il y en a un qui a 2 bonnes réponses et il y en a un qui a tout bon. Ouais, c'est lui, je pense. Hein. C'est lui, hein. Tranquille. Hein. Et Chasseur est le grand gagnant. Bon, les BG, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez dans les commentaires si vous avez trouvé ou pas, sans tricher les BG. Pas, likez la vidéo, partagez, on est ensemble, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.